Ezali sango nazo kotindela mokonzi ya mboka président Tshilombo Tshisekedi. Mokonzi ya mboka mbote mingi, bien que je ne sois pas un militaire, je fais le signe des alliés et des soldats. Nakanisi ozali na club ya media pembeni na yo oyo batalaka biloko nyonso elekaka na mokili, batalaka pe bayokaka, basalaka ba analyse et comme ils ont un accès facile à vous, bayebisaka yo moto moko alobaki boye, moto moko alobaki boye. Je pense parmi biloko bato nyonso balobaka na bato ya media na yo, yanga peut-être ezali mwa litanga moko na kati ya mai ekomelaka yo. Mokonzi ya mboka nasukisaki koloba ke ntango yo okonome ba ministre na yo na ba PDG na yo, il faut okreye un groupe de vérificateurs ke il faut bakontrolaka ba entreprise ya leta ba même para étatique et puis bayaka na rapport na parlement pour débattre et leurs injonctions peuvent faire ke ba révoquer moto to ba garder ye to ba suspendre ye. Donc la signe na yo au raisonner sur les auditeurs, les gens qui viennent faire les audits dans les entreprises. Ces gens-là peut-être doivent passer des séminaires, des formations contre la corruption. Alors, batwana, il faut opesa bango mituka bazala na mituya na salaire malamu pour ne pas tomber à la tentation. Ils doivent résister à la tentation et à la corruption. Ils doivent être les gardiens de la révolution. Tous en a besoin na bato yo bakozala incorruptible. Pona ko kanga bato oyo bazo kanisa bazali ba intouchable. Monsieur le président et vos conseillers qui sont là ou qui seront là. Faisons un virage à 350 ou 390 degrés peut-être. Tolongola ba titre na ki ministre. Po epesa ka bato folie. Moto bazo ngé ministre kanisi ke il devient intouchable à comme na ciel, septième ciel. Essaye de minimiser ça ou imiter ngé ba américain ba salaka. Na Amérique ba ministre babenga bango ba secrétaire. Ce sont des fonctionnaires publics. Peut-être en les appelant des secrétaires eko diminuer orgueil na bango parce que partout ba kloka ministre na éviter. Quel fétichisme est-ce qu'on a quand il y a tellement qui ministre mouto a commis bouillé, gros dos, tout ça? Benga bango, le secrétaire d'État. Peut-être ça va plier un peu ma papou na bango, ou balingakaba pour monango, et il devient des intouchables. Appelez-le le secrétaire d'État. Monsieur le Président, vous allez dans Moussala Mounene Zoko Zelayo, il y a Kosala identification des citoyens de notre pays. Cette tâche est dévolue au ministère de l'Intérieur. Bon, sous d'autres sièges, les anglophones, on appelle ça Home Affairs. Ministère de l'Intérieur est un ministère à tutelle. Il y a l'État. Tout ce qu'on paye va dans la caisse de l'État. Et non pas, et que nous avons oyo au Bokolano, il y a un gagné un marché. Au moins, on a dit, fils et fils, c'est que nous avons gagné un marché. Les familles et telles, a gagné un marché. Et après, les musiciens vont commencer à les chanter. Oh, monsieur identité nationale. Oh, monsieur carte d'identité. Ça doit aller dans la caisse de l'État. Ndeba salaka ailleurs. Passeport, carte d'identité. Ça doit aller dans la caisse de l'État. Ezala ya yote, ezala ba camarade na yote, ezala ya bandiko na yote. Personne ne doit bénéficier de cet appel d'offre. C'est l'État qui doit faire ça et le revenu au quotidien doit être viré dans la caisse de l'État. Et pour identifier la population, il faut aussi une machine et une nouvelle technologie qui doit surveiller et veiller à la fraude pour qu'il n'y ait pas duplication. Il y a carte d'identité. Éviter la camaraderie et la fratrie na kati ya biloko ya l'État. Ça, là, recensement, il y a bateau. Ne venez pas nous parler de Tutsi chez nous. Il n'y a pas de Tutsi congolais, de Congolais Tutsi, ça n'existe pas. Nous n'avons pas besoin du clonage tribal, clonage clanique. Il n'y a pas de Tutsi congolais et il n'y en aura pas. Et je demande à tous les Congolais, surtout de l'Est, de résister, qu'il n'y ait pas la corruption
la dénaturalisation y a ba tribu na biso. Une tribu qui n'existe pas et qui ne figure pas sur la liste, le répertoire des tribus au Congo, ben, il n'y a pas de mépris et de provocation que ça. Je pense que ce que je dis, ce n'est pas du radicalisme. Je voudrais que nous protégions le pays parce qu'on en a marre. C'est comme Yomoko Lubaki, vous en avez marre avec Kagame. Nous aussi, nous en avons marre avec les Rwandais. Nous ne voulons pas des Rwandais. Ils ont un chez eux, ils ont un peu de bango. Et cessez de nous prêcher ce chapitre-là que non, nous n'avons pas de problème avec la population rwandaise. C'est seulement avec l'élite. Non, nous avons le problème avec tout le monde. Mais il ne faut pas utiliser des euphémismes pour chercher à se cacher, parce que moi, si je suis rwandaise et tous les médias, il faut que non. Et nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. Et nous devons aider les Rwandais à se libérer. Tous les Rwandais, pendant que le pouvoir de Kagame était au Soumoum, tous les Rwandais sont contents qu'ils nous maltraitent. Ils sont à la Congo, ils sont partout dans la diaspora où ils sont. Ils se moquent de nous. Ils nous appellent le BMW. Je vous ai dit que l'opposition n'est pas terminée. Cette opposition-là que vous avez appelée l'opposition sans position va bientôt s'étioler. Il y aura une nouvelle génération. En parlant de nouvelle génération, je ne vais pas dire les jeunes seulement, même à Tanga Mpakaboué. Il y aura une nouvelle génération, une nouvelle tendance d'opposition qui va vous enquiquiner, monsieur le président. Joseph, entre guillemets, Kabila, c'est un chien. Moïse Kafioto, alias Nassim Solano, c'est un chien. Tous ces gens-là qui ont fait souffrir les Congolais, qui ont volé, qui ont détourné le dernier public, ce sont des chiens. Ils aboient, mais il ne faut pas qu'on s'arrête là-bas. Il faut les arrêter tous. Nous allons vous soutenir. Toko memayona kipoyo. What a shit. Chine Rambo. Na Tanzanie, na Rwanda, zaka Rambo te. Ezani na Congo na komi Rambo. I am there to boost you mentally. Je ne peux rien flatter de vous, je dois vous le dire. Et ceux qui me connaissent, ils vont vous dire qui est-ce que je suis. Je ne peux rien envier. Nabilo comme ces gens qui viennent vous caresser. Ngai qui l'était. Oubliez. Il y a donc raison, il y a qu'à revoir programme scolaire à partir de l'école primaire, qu'on appelle ça endoctrinement, comme c'était à l'époque des communistes et des bolcheviques en Russie, eh bien, que cela soit. Parce que ce qui a remplacé le civisme chez nous, c'est la religion. On vient nous raconter Moïse, Abraham, Jacob, tous ces voyous qui n'ont jamais existé, qui n'existent que dans la littérature, Moïse et Salomon. Comme j'ai vu les types de la Cour constitutionnelle, forcez à vous, monsieur le président, que non, ma pêche au pouvoir, grâce à Nzambe, le Dieu des armées, le Dieu de Jacob, de Moïse, qui est aussi votre Dieu. C'est faux. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu de Félix Tshisekedi. Il n'est pas le Dieu de Chilombo. C'est le Dieu des voyous, des pasteurs, des amadoués, des mendiants qui balancent des Bibles partout et qui, de passage, après avoir aboyé au stade, bah, il dit que non, la présidence Ekufu est quelque chose. Ce n'est pas votre Dieu, ce n'est pas le Dieu des Congolais. Ce n'est pas le Dieu de Chilombo Tshisekedi. Ce n'est pas le Dieu de Kilele. Ce n'est pas le Dieu des Congolais. Le Dieu de Jacob, de Moïse, ce n'est pas notre Dieu. Où était ce Dieu pendant presque 30 ans? Les Congolais sont humiliés, piétinés, calcinés, génocidés. Dont ce passeur ou ce type-là de la Cour constitutionnelle parlait que Azali Nzambe Nayo. Où était ce Dieu? Il ne voyait pas toute la maltraitance contre nous les Congolais. Où était ce Dieu-là? De Jacob et de Moïse. Jacob, Moïse, c'est Bazali Bandekou Nabiso. Bazali Bansentre Nabiso. Bamou Nabiso Wapi. Tokutan Nabangou Wapi. Pour Ake Ndekou Yabiso, Azo Lokayo en public, c'est votre Dieu aussi. A Koufa Ta Koufa, Nanzambe Nayewana, Angatia Yena, Namotema Nayo. Où était ce Dieu là-bas quand nous avons souffert pendant tout ce temps? Alors, monsieur le président, je vous demande. Aux alana ministère de l'éducation qui amène et introduise des innovations dans les programmes scolaires. Bah, ISP on a un institut pédagogique par-ci par-là. Banda au Kangango, au Bongolango, mingi ezala na ba école technique. Nous devons sortir des chemins battus par les colonialistes et nous adapter à la modernité, à la technologie que mes coloniaux sont. Bato, bana, nabiso bak en école, bak en université, le corbeau et le renard, la fontaine, c'est quelle leçon la récitation? C'est quelle leçon ça? Non, aïe, vous récitez. Mais vous vous formez des perroquets?
et puis basoko botela maboko. C'est quel genre de programme scolaire? Nous sommes des arriérés intellectuels. On ne s'adapte pas à la modernité, alors que nous avons des gens qui se disent à Zali université, il y a quelqu'un qui n'a pas tout, à quelqu'un pas tout. Est-ce qu'à Monaki Bato? Quand on se voit Zali réciter le corbeau et le renard, le corbeau et le renard, depuis ma ancienne tradition, c'est toujours le corbeau et le renard. Il n'y a pas des écrivains chez nous qui savent écrire d'autres récitations. Il faut qu'il y ait une révolution. Nakati, il y a programme scolaire, il y a bana na biso. Donner de la valeur na boulot, il y a ba enseignant. Donner de la valeur na armée. On ne peut pas avoir un pays riche sans être capable de défendre ce pays. Moi, na asili si, a eu diplôme na ye. Tinda bango, ba kende ko sala ena na armée, nenge ba pays européen, ba pays occidentaux, ba salak. Au lieu d'avoir des gens au bétis, à bout, à qui m'y a côté de son netimpoukou. Monsieur le Président, toujours dans l'éducation à la citoyenneté, tout banna pour éviter le qualificatif moussousou. Tout l'emi nabato à zoukoumi benga, leurs excellences, son excellence. Commençons à éviter ça. Pendant les 5 ans que vous étiez là-bas, vous-même, monsieur le Président, vous n'avez pas été excellent. Et vous-même, vous avez reconnu ça en disant que vous êtes un erreur. Donc, ceux-là qui vous ont appelé excellence ou excellent, mentez et vous flattez. Des titres, des grades pareils doivent se mériter. Vous n'avez pas été excellent, soyons sincères. Et le reste de la cohorte des ministres, des députés, des sénateurs n'ont été que des médiocres. Nous devons éviter, bah, terme à flatterie, son excellence, l'honorable. Ils sont honorables en quoi? Avoir la mentalité de perroquet. On récite des choses qu'on ne comprend pas. Son excellence, l'honorable. Nous tous, une bande de flatteurs et de peureux. Ceux qui m'ont suivi, grade m'a nommé quelque part, on commence à les flatter, on commence à lui faire des massages partout. Paul Omer et Kita, comme on a dit dans la Bible, même le chien mange les miettes qui tombent de la table du maître. Nous ne voulons pas être de chiens chez nous. Cessez de raconter des histoires de la Bible à nos enfants. Alors nous avons comme ça un pays des idiots, on vient leur apprendre la philosophie biblique de Matthieu. Pesa l'état ma boba pesa yo. Oh, nzambe nangai akobuni langai. Vous entendez les gens qui vous disent oh, nzambe nazamu umbu na yo. Do you understand what you are talking about? Nazali nzambe ya Jacob, nzambe ya Moïse, nzambe ya David, ils n'ont jamais existé ces personnages là. Tout cela parce que vous ne faites aucune ascension mentale, il n'y a aucune analyse critique de ces écritures. Vous ne voulez pas départir des enseignements bibliques et des faux enseignements de vos faux pasteurs qui consistent une armée d'escrocs, d'arnaqueurs, de menteurs, de songeurs, de violeurs de femmes et de tout ce que je peux raconter. Alors, monsieur le Président, presse Nayo, rumeur de Kinshasa, etc. Même presse nationale, mais surtout rumeur de Kinshasa. Il ne cesse de citer les noms de Joseph Kabila, le nom de Moïse Katumbi. Cessez de nous amuser. Naloba kinayoke, osana pouvoir nous se concentrer entre vos mains. Ces gens là-bas, ces deux plus les autres de PPRD, sont des criminels politiques et économiques et sociaux. Les faits sont établis. Donnez le boulot, naba avocat, naba juge, naba homme de droit, bakanga batouana, au lieu de passer le temps à nous abasourdir. Oh Joseph Asali Boye, oh Moïse Asali Boye, oh. Vous avez peur de monsieur le Président et votre presse. Vous avez peur de ces gens-là. Image d'abord, ils ont coincé binou. C'est la hantise. Bon là, raté. Naïo na bango. Et pourtant, les lois osent la pouvoir nyoso. Mais arrêtez-nous ces gens. Les faits sont établis. Zélie Soulubero, Moïse Nyarugabo, bango nyoso ont tué les gens chez nous. Denis Sessanga, ils ont tué les gens chez nous à l'est. Moi, je suis de l'est. Ce sont des criminels. Ces gens qu'on a tués, ce sont tes frères. Ce sont. Excusez-moi. Frère Nabino Bakongolais. Si réellement, vous avez un souci dans le Congolais à l'Est, mais arrêtez ces gens. Pourquoi ils constituent un cabinet robot derrière, dans l'ombre? Et vous nous muratez que Bino de Mazouk, vous avez géré alors que ce sont eux qui gèrent. Congolais, descendez de la rue, attaquez-les dans leur propre maison. On en a marre. Tous ceux-là qui ont détourné l'argent, les Mouzito, ben, il n'est pas tout tiens. Le squelettique et le midé fossile vivant, Neti, Matata Mponyo, c'est un Rwandais de père et de mère, Toye Biye. Qu'il ait construit l'université Matata Mponyo, c'est un Rwandais. Na Shadari Bango Tuazaba, Rwandais, nous connaissons ça. Vous attendez quoi pour arrêter ces gens-là? Eh bien, si ma voix vous a chatouillé, je ne veux pas
m'excuser parce que tout ce que nous faisons, c'est pour le pays. Je vous dis ce que je vous dis parce que vous avez un gros boulot. Vous aurez des cargos de déléances, de griefs, d'accusations, de calomnies. Vous êtes élu président pour résoudre les problèmes. Et il ne faut pas s'en dérober. La sécurité étant la priorité. Bon après-midi, en ce lundi du 22 janvier 2024. Zali Sangonazo Kotindila, Mokonzi Mboka, président Félix Antoine Tshilombo, Mendenge na Lobaki Lobi, président Tshilombo Tshisekedi. Wana ne kumbo ya kitoko. Mokonzi Mboka. Mbote mingi, Mokonzi Mboka, mbote mingi. Bien que je ne sois pas un militaire, je fais le signe des alliés et des soldats. Nazali kokoba na promesse, oh na pesa kiyo, na bandeko na biso lobi ke, na kokoba, na ba conseil. Na kanisi ozali na club ya media, pembeni na yo o batalaka biloko nyonso elekaka na mokili batalaka pe bayokaka basalaka ba analyse et comme ils ont un accès facile à vous bayebisaka yo moto moko alobaki boye moto moko alobaki boye je pense parmi biloko bato nyonso balobaka na bato ya media na yo yanga peut-être ezali mwa litanga moko na kati ya mai ya komelaka yo. Tozo kopesa liteya po toyebi ke ezali elema ya edukasyon. Edukasyon ya moto esilaka te kobanda ndenge tobotama ti na ntango okende okufa edukasyon ekontinuaka kaka. Edukasyon ezalaka moto azolakisa yo ndenge ya malamu, nzela ya malamu, ntango osali mbeba, to ntango olingi osala mbeba. Alo, bakoyebisa no, tika boye, sala boye. Meme na ekole, osala, kama solution arithmétique et mathématique, molakisa kolakisa yo, sala boye, sala boye. Ça fait partie de l'éducation, o ezali éducation morale, et patriotique, o tozo kupesa. C'est pour dire que, éducation, esi la kate. Et mon toit, le bateau que non, la comme une paca. Qu'est-ce que tu vas encore me dire? Je connais tout. Nul ne connaît tout. On continue toujours à apprendre au fur et à mesure que nous grandissons, nous vieillissons. Et je suis contre les négativistes qui pensent que mon toit est bon au matin. Moi, je suis un positiviste. Je m'inscris dans la dynamique de quelqu'un qui croit que Moutonyoso a bon gonak. Moutouaza kali bangate. Te akotik la ka ndenge moko. Mato yo tozana yango, misu tozana yango, monoko tozana yango. Ezali ba outi ozo ko sale sabiso. Tout se comporter bien dans la carte de la société, raison pour laquelle moi je crois toujours à l'avenir et au présent. Et quand je parle à un être humain ou quand on me parle à moi, je sais que chaque personne a une entité dynamique. Alors, lobby, mon conseil, quand on a ce que ça a été, quand on a un ministre, on a un PDG, il faut
faut créer un groupe de vérificateurs. Naïbsa qui, ok, à vous de chercher un mot qui convient. Peut-être ça m'échappe dans la tête. Mais comme au Congo, il y a trop de néologismes, hein, trouvez toujours un mot qui convient. Oh, Nabatouana, vous pouvez me parler des inspecteurs. Et pourtant, c'est le rôle que les députés, les parlementaires sont supposés jouer. Qu'il ne faut pas contrôler le cas, l'entreprise et l'État, même para-étatique. Et puis, il y a un rapport dans le Parlement pour débattre et leurs injonctions peuvent faire que révoquer moto, tout va garder, tout va suspendre. Malheureusement, ils ne le font pas. Ils sont dans la jouissance. Avec celui qui s'est pris pour la bête noire, M. Loire, qui parlait de la jouissance, comme si lui ne se réjouit jamais, qui ne se réjouit pas dans ce monde ici. Okay? Malheureusement, donc, je disais, député Labisso, ils n'ont pas fait ce boulot. Ou peut-être ce boulot était fait, mais à demi-mesure, et qu'il n'y avait pas de sanctions prises contre les mes gestionnaires, et ça restait lettre morte, malgré le rapport que les parlementaires donnaient, ou c'est là qu'ils dénonçaient la mes gestion par-ci, par-là. Donc, la signe n'ayo, on raisonnait sur les auditeurs, les gens qui viennent faire les audits dans les entreprises. Ces gens-là, peut-être, doivent passer des séminaires, des formations contre la corruption. Alors, Batouana, il faut opes bango. Mituka, Bazala, Namituya, na salaire malamu, pour ne pas tomber à la tentation. Que, bakaye pas à PDG, bakaye pas à ministre, boye, ministre Songolo, Ayiba, à Epsom, écoutez, on a dénoncé un gars, oyo, si on a Ali Benganayo, pardon, Koulubaylo, mon côté, ce qui est OK, n'a pas les matos, OK, écoutez, n'a pas les journalistes. Ils doivent résister à la tentation et à la corruption. Et puis, il faut signer ce bango, la description des tâches au Bakosala. Ils doivent être, pour interpréter une expression arabe, les gardiens de la révolution. Parce que de vous, nous espérons une révolution de la gestion de la chose publique. Ils doivent être les gardiens de la révolution. Eh bien, moi, ni les Iraniens ne seront pas les premiers à l'utiliser. Les communistes soviétiques l'ont utilisé. Que dire des Chinois? Ils ont parlé de la révolution culturelle. Alors, la révolution de la gestion, nous en avons besoin d'un bateau et d'un bakozala incorruptible et qui ne peuvent pas tomber à la tentation et non plus qui ne peuvent pas calomnier les gens, mais qui doivent bien vivre. Ça signifie, comme je le disais, bazala mituka pour ne pas envier les gens, bazala bandako, et comme ça, on va les appeler le chien de garde de la révolution ou de la république. À vous de chercher un terme qui convient. Ponako kanga bato oyo bazo kansa bazali ba intouchable. Sur ce point, quand je parle des nominations des ministres, monsieur le président et vos conseillers qui sont là ou qui seront là, faisons un virage à 350 ou 390 degrés peut-être. Tolongola ba titre on a qui ministre. Po epesa kabato folie. Moto bazobenga ministre kanisi ke il devient intouchable à comme na ciel, septième ciel, etc. Essaye de minimiser ça. O imiter nenge ba américain ba salak. Na Amérique, ba ministre babenga bango ba secrétaire. Ce sont des fonctionnaires publics. Peut-être en les appelant des secrétaires eko diminuer orgueil na bango parce que partout bako ko ministre na ébité quel fétichisme ezaka na kati ya mi ya tellement que ministre muto akomi boyé
gros dos, tout ça. Benga Bango, le secrétaire d'État. Ce serait une révolution, une grande première. On imite ce qui est bon. Il n'y a rien du mal en imitant les bons qui est fait ailleurs, sous autres siècles, comme en Amérique, on les appelle de secrétaires d'État. Bah, secrétaire, bah, ça, bah, kalaka, il y a l'État. Bon, dans l'entendement du Congolais, l'ancien des générations, bah, papa Rabiso, un secrétaire, c'est celui qui était dactylographe et machine. C'est comme ça qu'on croyait. Tout secrétaire, comme aujourd'hui, nous avons des secrétaires dans les bureaux. Bon, mais avec le temps, les gens vont s'adopter au niveau jargon que et ils ne sont pas des ministres, ce sont des secrétaires d'État, ce sont des fonctionnaires de l'État. Peut-être ça va plier un peu ma papou na bango au baliakaba pour monango et ils deviennent des intouchables. Peut-être. Appelez-les les secrétaires d'État. Monsieur le Président, vous allez dans la moune zoko zelayo. Il y a que ça la identification des citoyens de notre pays. Cette tâche est dévolue au ministère de l'Intérieur. Bon, sous d'autres sièges, les anglophones, on appelle ça Home Affairs. Le ministère de l'Intérieur ou le secrétariat des affaires intérieures. Et nous pensons que ça ne sera pas une sorte d'offre. Un appel d'offres où vous demandez tel, à la propriétaire, il y a quoi ça là-bas, carte pour citoyenneté, carte d'identité, et au copé ça yango, la famille na yo, ton aba ami na yo, et je ne sais qui, sous d'autres siens, ministère de l'Intérieur est un ministère à tutelle, il y a l'État. Tout ce qu'on paye va dans la caisse de l'État, et non pas et que nous avons oyo au Bokolano, il y a moto a gagné marché wana. Au moment où ils allaient fils chercher ce qu'est une moto a gagné marché, ils allaient famille telle moto a gagné nani marché wana. Et après les musiciens vont commencer à les chanter. Oh monsieur identité nationale, oh monsieur carte d'identité, ça doit aller dans la caisse de l'État. Nde basa la ka ailleurs, passeport, carte d'identité, ça doit aller dans la caisse de l'État. Ezala ya yote, ezala ba camarade na yote, ezala ya bandeko na yote. Personne ne doit bénéficier de cet appel d'offres. C'est l'État qui doit faire ça. Et le revenu au quotidien doit être viré dans la caisse de l'État. Et pour identifier la population, il faut au somme à ma machine, il y a une nouvelle technologie qui doit surveiller et veiller à la fraude pour qu'il n'y ait pas duplication. Il y a carte d'identité. Il faut qu'il y ait bateau aux machines où il faut détecter que oh, ils allaient fausse carte d'identité. Et ça doit être miniaturisé pour que ça ne devienne pas comme un livre pliant à l'époque de Mobutu, où il y en avait, je ne sais pas, 6 pages, carte verte, 6 pages comme ça, comme une étiquette accordéon. Hein? Aujourd'hui, nous sommes dans la digitalisation où la carte d'identité est allée mouké boy, net, permis de conduire, mouké. Mais qu'est-ce qui contient tous les détails liés à la personne pour l'identifier? C'est à ce moment ici où il faut au sala recensement de la population, bien que au sala qui a voté avant ma élection, un peu pendant les 5 ans, qui était un exercice très facile à faire. Je sais, vous voyez ça qui est plus que non, et vous ne pouviez pas le faire parce que vous aviez les pieds et les mains liés. On vous a compris, monsieur le président. Mais c'est le moment. Mais évitez la camaraderie et la fratrie na kati ya biloko ya l'État. On dit que l'État est continuaka batonde bakufaka. La continuité ya gouvernement ya pays est continuaka yo kokufa, mais lero kokufa. Mais posez les bases d'un État sérieux qui se respecte. Ne croyez pas que ceux qui okufi l'État peut kokufa. Non,
oyo babanda yango bakufa. Donc, je le répète, entrer par la grande porte et sortir par la grande porte, Monsieur le Président. Ça, là, recensement, il y a bateau. Na kati, il y a bulletin recensement. Il faut bateau baeba, localité à moto, tribu à moto. Ne venez pas nous parler de Tutsi chez nous. Il n'y a pas de Tutsi congolais, de Congolais Tutsi, ça n'existe pas. Qu'on nous dise pas, qu'on nous dise si au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, si il y a des Congolais et que ce pays là-bas, Bazokolbake, il y a des Congolais Burundais, il y a des Congolais Tutsi, il y a Rwandais, il y a des Congolais Ougandais. Bah, ils savent ça. Mais les Congolais, ils vivent. Mais il n'y a pas de tribu qui sont clonés. Je pense que vous comprendrez le terme biologique que j'utilise, le clonage. Le fait de créer quelque chose, surtout un être ou un animal, à partir des laboratoires, avec la manipulation des ADN, tout ça. Parce que les Tutsi congolais, c'est ce qu'on appelle, je sais pas, les Banyamulenge ou quoi, ça c'est une tribu clonée par la force de la politique et le mensonge. Nous n'avons pas besoin du clonage tribal, clonage clanique. Il n'y a pas de Tutsi congolais et il n'y en aura pas. Et je demande à tous les Congolais, surtout de l'Est, de résister, qu'il n'y ait pas la corruption, la dénaturalisation, il y a ma tribu, Nabiso. On ne refuse pas que les Rwandais vivent au pays s'ils se conforment aux lois du pays, parce qu'ils ont toujours vécu ici. Mais aller inventer, cloner dans les laboratoires une tribu qui n'existe pas et qui ne figure pas sur la liste, le répertoire des tribus au Congo, ben, il n'y a pas de mépris et de provocation que ça. Oui, je sais qu'il y a des gens qui le défendent par-ci, par-là et qui amènent des notions de droit, comme quoi c'est leur droit qu'ils ont appris à l'université qui surpasse la culture et la tradition des gens du terroir, là où les fouillards Tutsi prétendent être originaires. Qu'est-ce que les Tutsi peuvent dire aux Babembe, aux Bavira, aux Bafuliro, qui ont toujours vécu à l'Est, Mulenge et partout là-bas, pour faire le clonage et dire que non, ils sont arrivés ici, je ne sais pas, il y a de cela 6 siècles, 5 siècles. Mais il n'y a pas de folie que ça. Alors, les Rwandais vivant au Congo n'ont aucun droit d'avoir une carte d'identité de la citoyenneté congolaise sans aucune procédure. La procédure, ils doivent passer par des interviews. On doit savoir ils sont arrivés quand, comment ils sont arrivés, comment est-ce qu'ils se comportent. Et nous ne serons pas les premiers à le faire parce que ça se fait partout à travers le monde. Pour ceux-là qui suivent l'actualité, il n'y a pas longtemps que le gouvernement français venait d'introduire des mesures intransigeantes pour limiter l'immigration. Bon, écoutez, c'est ça la souveraineté et la protection de la souveraineté d'un pays. Et chez nous, ça ne doit pas devenir un jardin où quelqu'un quitte le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, il traverse le matin, le soir, il rentre chez eux et il s'appelle et Congolais, il s'appelle Rwandais, Burundais, Ougandais. Entre-temps, il vient torpiller la situation chez nous. Ce n'est pas acceptable, Monsieur le Président. Donc, celui qui doit être ou qui doit gérer le ministère de l'Intérieur doit être un nationaliste incorruptible. Et le staff qui doit y travailler doit être entraîné, formé pour détecter qui est qui. Ça ne demande pas de la magie, ce n'est pas sorcier comme on le dit, pour détecter que tel est Rwandais, tel est Burundais, tel est Ougandais. Ça ce n'est pas sorcier. Oyo baolobake, ezali nzambe moto akela biso. Ah mais si, c'est ce Dieu-là qui nous a réellement créé. Mais il a raison quelque part, parce qu'il y a des phénotypes parmi nous qui fait que otali mutubwebi ko ezali éthiopien. Oyo aza ougandais, oyo aza burundais, oyo ezali tanzanien. Il y a des phénotypes, même à tato zali, ba noir biso nyoso.
si ce n'est pas à partir ya elongi ya nzoto ezali na ndenge ya elobeli. Et quand vous allez chez les Européens, c'est la même chose. La façon dont un Arabe parle est différente de la façon dont un Espagnol, un Italien, un Français et quelqu'un de l'Europe de l'Est parle. Quand un Russe parle, c'est différent de la façon dont les Français ou l'Anglais parle. C'est différent. Alors, si c'est Nzambe wa muto akelabiso, mais il a mis des éléments qui nous aident à détecter « This one is not of ours ». Alors, dans le ministère de l'Intérieur, il faut mettre des gardiens de la révolution qui doivent dénoncer, qui doivent savoir qui est qui. Yoza mulubo outi na centre ya Congo kuna. Oyebi ba nani ba Rwanda ba Burundi ba Uganda te biso to yebi bango biso. Même ata to balana na bango na SM to yebi. Je pense que ce que je dis ce n'est pas du radicalisme. Je voudrais que nous protégions le pays parce qu'on en a marre. C'est comme Yomo Kolobaki, vous en avez marre avec Kagame. Nous aussi, nous en avons marre avec les Rwandais. Nous ne voulons pas des Rwandais. Ils ont un chez-eux, ils ont un nabango. Et cessez de nous prêcher ce chapitre-là que non, nous n'avons pas de problème avec la population rwandaise. C'est seulement avec l'élite. Non, nous avons le problème avec tout le monde. Mais il ne faut pas utiliser des euphémismes pour chercher à se cacher, parce que moi, si ma mère est rwandaise et tous les médias, il faut que non. Et nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. Et nous devons aider les Rwandais à se libérer. Tous les Rwandais, pendant que le pouvoir de Kagame était sous Moum, tous les Rwandais sont contents qu'ils nous maltraitent. Ils sont la Congo, ils sont partout dans la diaspora où ils sont. Ils se moquent de nous. Ils nous appellent le BMW. Boisson, musique, femme. C'est comme ça que les Rwandais nous appellent. Alors que ils ont leur octroi de bourse dans Mbongo Nabiso depuis longtemps. Aucun Congolais n'a étudié avec la bourse rwandaise, burundaise ou ougandaise ou de n'importe où. Ce sont eux qui venaient toujours chez nous. Mais il faut parfois. On s'en a fermé tout. Après, Nabiso va regarder tout. Mon nom est Ndoma. Mobali il faut azam motema ma kasio ya kobo ya ko kabula parfois. C'est ça un homme. Il faut pas être trop léger parce que votre femme est une Rwandaise et vous voulez emballer tout le monde dans le sexe. C'est pas ça. On ne refuse pas. Gardez votre femme. Elle est étrangère, kolomakambo azam mushi, tout c'est faux, on connaît tout. Mais c'est votre femme, on n'oblige pas quelqu'un à épouser quelqu'un nécessairement à la tribune. Non. Comme le roba kakala. Ce qui m'a dit, c'est que Mundele, parce que souffrant de complexes d'infériorité coloniale. Mais c'est votre femme à vous. Aussi longtemps qu'elle se comporte bien, mais il ne faut pas mélanger la politique du lit et la politique du pays. Il ne faut pas. Je vous ai dit que l'opposition n'est pas terminée. Cette opposition-là que vous avez appelée l'opposition sans position va bientôt s'étioler. Il y aura une nouvelle génération. En parlant de nouvelle génération, je ne vais pas dire les jeunes seulement, même à Tanga Mpakaboué. Il y aura une nouvelle génération, une nouvelle tendance d'opposition qui va vous enquiquiner, monsieur le président. Je pense que vous me suivez très très bien. Donc, le point sur le recensement et la vente de cartes de citoyenneté doit être bien surveillée pour éviter des infiltrations. Na lobité ke boko kozala na ba carte ngai na mboko nga nazali na carte de citoyenneté mboka oyo. Au fait, un citoyen d'après le langage latin, un citoyen civis, c'est quelqu'un, un individu qui vit à la cité. Et n'importe qui peut vivre dans la cité. Un autochtone ou un immigrant, c'est ça un citoyen. Mais il faut un mécanisme légal et tiama, on a compris que non, Oyo Azali étranger, il lui faut 5 ans ou 10 ans basé sur bonne conduite avant de payer carte de citoyenneté et bénéficier de tous les droits comme
tout autochtone. C'est normal partout à travers le monde. Mais il faut qu'il y ait un mécanisme, et ceci ne doit pas se passer à travers la politique d'Ili, le favoritisme, la corruption, où nous avons tout le monde. Mais ça ne demande pas de la magie. Donc, il faut être discriminatif et discriminatoire, parfois, contre ces gens qui nous ont mis à genoux pendant une vingtaine d'années, presque trentaine d'années. Et il ne faut pas y aller avec légèreté. Monsieur le Président, sur ce côté-là, par YouTube et partout, on nous dit, oh, le criminel Joseph Kabila a tenu un message fort contre yo à Boïkoya nanana la prestation de serment naïe. Monsieur le Président, ignorez Moutouana. Il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Oh, à Kendek en Afrique du Sud, pour le besoin des études. C'est tant mieux. C'est quoi? Il sera le premier à avoir un doctorat, à avoir une licence, un master. C'est quoi? Ça impressionne qui? D'abord, depuis quand il y a six ans à l'école secondaire, pour aller présenter ou défendre un doctorat. Depuis quand à six ans à l'école secondaire? Depuis quand à avoir diplôme d'État? Depuis quand à avoir diplôme à l'école primaire? Ce sont des niveaux universitaires monnayés. On donne de l'argent à une université. Il veut venir faire quoi? Il veut défendre un doctorat sur la fraude, sur le détournement des biens de l'État ou sur comment assassiner les gens. Parce qu'il est expert en ça. L'assassinat, les vols, les viols, le mensonge, la haine, l'envie. Donc, sa thèse sera basée sur des faits comme ça. Et qu'il foute le camp. Les Français ont dit, Monsieur le Président, le chien aboie, la caravane passe. Joseph, entre guillemets, Kabila, c'est ton chien. Moïse Kafioto, alias Nassim Solano, c'est un chien. Tous ces gens-là qui ont fait souffrir les Congolais, qui ont volé, qui ont détourné le dernier public, ce sont des chiens. Ils aboient, mais il ne faut pas que on s'arrête là-bas. Il faut les arrêter tous. Là, nous allons vous soutenir. Il ne faut pas les laisser faire. Il faut leur apprendre une leçon. Ces gens-là ne peuvent pas braguer les gens dans le Congo. Parce que ce sont des braqueurs. Ils viennent avec les politiques de braquage. Ils viennent nous arnaquer. Ils arrivent là-bas. Ils deviennent, on les appelle, une Rambo. What a shit! Sina Rambo. Na Tanzanie, na Rwanda, zaka Rambo te. Ezali na Congo na komi Rambo. Excusez-moi, je prends un peu de l'eau. Katumbi, chairman, Yanini. Il connaît quoi? Alors, arrêtez-nous ces gens-là. Nous disons et nous comprenons bien, ça ne sera pas une politique de vengeance. Et c'est là qu'ils conseillent dans leurs audios en disant que nos camarades Félix évitaient la politique et la confrontation. Non, ce n'est pas ça. Yo, faites-nous arrêter ces gens. L'ongola bato mingi mingi bakanga na makala na ba prison mususu. Vous l'aviez dit même avant. Pas personne pour voir que okokanga bakachon nyoswana. Prenez tous ces criminels. Tiye bango na kate bakachouana. Ça ne sera pas une vengeance. Ça ne sera pas une vengeance. C'est l'unique façon de sécuriser le pays et de rectifier les mentalités de la population et lancer un message contre tout cela, tous ces aventuriers qui oseront encore venir pointer leur nez au Congo. N'ayez pitié de ces gens-là. N'ayez pas pitié. Comment des idiots comme ça? Et nous sommes là derrière Shina Rambo, Shina Raïs, Raïs. Est-ce qu'il connaît la signification de Raïs? Raïs, c'est presque un pharaon. Hein? Alors, vous prenez
un clochard comme ça de la Tanzanie, on doit le vénérer comme le pharaon. Mais jusqu'où on va avec cette flatterie là-bas? Alors, comme je l'ai dit hier, vous devez couper les cordons ombilicaux pour donner du respect au Congo et aux Congolais. Naïf Sekou, je ne suis pas de ceux-là qui vont continuer à vous critiquer. I am there to boost you mentally. Je ne peux rien flatter de vous, je dois vous le dire. Hein. Et ceux qui me connaissent, ils vont vous dire qui est-ce que je suis. Je ne peux rien envier. Nabilo, comme ces gens qui viennent vous caresser, n'aille qu'il est l'été. Oubliez. Nazaliawa, Kolobanayo, parce que Ozali Moto, Ozali Ndeko, Ozali Mwanamboka, et nous avons tous le devoir de défendre le pays. Et comme occasion, et Pesaminayo, que ça ne se limite pas au niveau et à prestige à Yomoko. Non. Défendre le pays, Pesa Lukumuna pays, rectifier ma bé ou ma prédécesseur, non, ma sala. Au côté de la porte à mon aile. Pé au Kobima. La porte à mon aile. Trois. Kotisa banda éducation civique et politique na Katia Mboka et pe e kota na Katia programme scolaire. À l'époque, ezalaka à l'époque, tout ça qui na éducation civique et religieuse et puis ezalaka Edipol, éducation civique et politique. Au lieu batang sa biso éducation civique et politique, à l'époque de Mobutu, et komaka le Mobutisme. Regardez-moi des scandales comme ça. Le Mobutisme. Hein? C'est la philosophie du président, ses signes, et ses gestes, et tout ça. Sako Minongo devait nous apprendre cela quand nous étions à l'école. Donc, quelle était la philosophie de Mobutu? Voler, danser, créer des groupes d'animation, coucher les femmes. C'était ça la philosophie de Mobutu. Tuer les opposants, c'était ça la philosophie de Mobutu. Mais ce qui est côté Moussoussou. Vous n'allez pas raconter à un enfant riche, russe qu'est-ce qu'il faut pour son pays. Vous n'allez pas corrompre un enfant nord-coréen ou un enfant chinois qu'est-ce qu'il faut pour son pays. Vous n'allez pas raconter des historiettes à un Vietnamien, à un Vietcong, à un Cambodgien. Des gens dont les ancêtres, les grands-parents ont été décimés par un tapis de bombardement. Il y a donc raison de revoir programme scolaire à partir de l'école primaire, qu'on appelle ça endoctrinement, comme c'était à l'époque des communistes et des bolcheviques en Russie. Eh bien, que cela soit. Parce que ce qui est remplacé le civisme chez nous, c'est la religion. On vient nous raconter Moïse, Abraham, Jacob, tous ces voyous qui n'ont jamais existé, qui n'existent que dans la littérature, Moïse et Salomon. Comme j'ai vu les types de la Cour constitutionnelle forcer à vous, monsieur le président, que non, m'appelle au pouvoir grâce à Nzambe, les dieux des armées, les dieux de Jacob, de Moïse, qui est aussi votre dieu. C'est faux. Ce dieu-là n'est pas le dieu de Félix Tshisekedi. Il n'est pas le dieu de Tshilombo. C'est le dieu de voyous, de pasteurs, des amadoueurs, des mendiants qui balancent des Bibles partout et qui, de passage, après avoir aboyé au stade, bah, il dit que non, la présidence est foutue avec quelque chose. Ce n'est pas votre dieu, ce n'est pas le dieu des Congolais. Ce n'est pas le dieu de Tshilombo Tshisekedi. Ce n'est pas le dieu de Kilele. Ce n'est pas le dieu des Congolais. Le dieu de Jacob, de Moïse, n'est pas notre dieu. Où était ce dieu pendant presque 30 ans? Les Congolais sont humiliés, piétinés, calcinés, génocidés. Où était ce dieu là-bas? Dont ce passeur ou ce
ce type-là de la Cour constitutionnelle parlait que Azali Nzambe Nayo. Où était ce Dieu? Il ne voyait pas toute la maltraitance contre nous les Congolais. Où était ce Dieu-là? De Jacob et de Moïse. Jacob, Moïse, c'est Bazali Bandekou Nabiso. Bazali Bansentre Nabiso. Bamou Nabiso Wapi. Tokuta Nabangou Wapi. Pour Ake Ndekou Yabiso, Azo Lokayo en public, c'est votre Dieu aussi. Akufa ta okufa na Nzambe na yewana angati ya yena na motema na yo. Où était ce Dieu là-bas quand nous avons souffert pendant tout ce temps? Alors, monsieur le président, je vous demande, aux alana ministère de l'éducation qui amène et introduit des innovations dans les programmes scolaires. Bah, ISP on a un institut pédagogique par-ci par-là, banda au Kangango, au Bongolango, mingi ezala na ba école technique. Et je vous demande pour donner plus de la valeur dans l'enseignement. Tu sais, on a besoin des enseignants toujours. Mais pour nous donner plus de la valeur, il faut un peu qu'il y ait une rareté des enseignants pour donner plus de valeur qu'avoir partout, biloko ba pédagogie. Nous devons sortir des chemins battus par les colonialistes et nous adapter à la modernité, à la technologie. Que mes colonies sont bateaux, n'abusent pas qu'une école, pas qu'une université, le corbeau et le renard, la fontaine, c'est quelle leçon la récitation? C'est quelle leçon ça? Non, à y réciter. Mais vous vous formez des perroquets? Et on voit des enfants qui viennent à Komiko, pour imiter un pasteur à Komiko prêcher, non, moi non, Azana Moulimou. Non. Pendant que l'enfant chinois, à partir de 3 ans, il a déjà le laptop. L'enfant russe, Ayepi, comment qu'on assemble, comment qu'on démantèle un revolver, une arme, le nôtre imite le pasteur pour commencer à prêcher, ou imite un musicien pour commencer à danser. Et vu parce que vous êtes là, c'est quel genre de programme scolaire? Nous sommes des arriérés intellectuels. On ne s'adapte pas à la modernité. Alors que nous avons des gens qui se disent à Zali Université, il y a que n'est qu'un apoto, à que n'est pas tout. Est-ce qu'à mon acquis bateau? Quand on se voit Zali pour réciter le corbeau et le renard? Le corbeau et le renard, depuis le centre, on a toujours le corbeau et le renard. Ah bon? Il n'y a pas des écrivains chez nous qui savent écrire d'autres récitations? Au moment de l'habileté à Bana, le corbeau et le renard. Enfin, la récitation. C'est quoi la récitation? Le pouvoir, dans mon livre, c'est seulement pour ça. Donc, il faut qu'il y ait une révolution. Nakati, il y a programme scolaire, il y a Bana na biso. Nous n'allons pas laisser à nos enfants le corbeau et le renard. Non. Donner de la valeur na boulot, il y a un enseignant. Donner de la valeur na armée. D'abord, on ne peut pas avoir un pays riche sans être capable de défendre ce pays. Ça ne passe pas comme ça. Donc, il faut éduquer la population na citoyenneté et puis na défense il y a pays. Moi, na asile ici, j'ai un diplôme na ye. Tinda bango, ba kende kosa la ena na armée. Nenge ba pays européen, ba pays occidentaux, ba salak. Un an, c'est ma azongili université ou je ne sais pas, institut supérieur. Au lieu d'avoir des gens au Beti Kano, à Bou, à Kimi, à Kote, à Dissou, à Timpoukou. Ba tu faut ba yeba. Comment Kubunda, pour être tous des réservistes du pays. Yango ba pays mingi ba salak, au Kena, na Ira, au goût de ba tout ba yoko ba tamidouk. Moua si to moubali, tinda bango, bakende na armée. Voilà ce que est la émission. Aucun n'a côté, mon ministre, monsieur le président. Toujours dans l'éducation à la citoyenneté. Tout banda pour éviter le qualificatif moussoussou. Tout l'embi na bato a zoukoumi benga. Leurs excellences, son excellence. Commençons à éviter ça. Pendant les 5 ans que vous étiez là-bas, vous-même, monsieur le président, vous n'avez pas été excellent. Et vous-même, vous avez reconnu ça en disant que c'est ça qui est erreur. Donc, ceux-là qui vous ont appelé excellence,
ou excellent, mentez et vous flattez. Des titres, des grades pareils doivent se mériter. Vous n'avez pas été excellent. Soyons sincères. Et le reste de la cohorte des ministres, des députés, des sénateurs n'ont été que des médiocres. Nous devons éviter le terme à flatterie, son excellence, l'honorable. Ils sont honorables en quoi? C'est ça. Avoir la mentalité de perroquet. On récite des choses qu'on ne comprend pas. Son excellence, l'honorable. Nous tous, une bande de flatteurs et de peureux. Ceux qui m'ont choisi, grade, m'ont nommé quelque part. On commence à les flatter, on commence à lui faire des massages partout. Paul Omer et Kita, comme on a dit dans la Bible. Même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Nous ne voulons pas être de chiens chez nous. Nous ne voulons pas être de chiens. Ces chiens bibliques-là, il faut essayer là. Cessez de raconter des histoires de la Bible à nos enfants. Il n'y a que chez nous en Afrique et au Congo, ceux qui m'ont abattu un bâton à gauche, On apprend aux gens la culture de la violence. Pas la culture de la paix. On apprend aux gens culture et violence. Pour Batoba sera capable de se défendre une fois qu'ils sont violentés. Et non pas couper ça. Matama, Bétier à Bétier, et puis il dit non, la vengeance est à Dieu. Le Dieu des armées à Kobundi Langai. Mais ça, c'est être un idiot. Alors on nous avoue comme ça un pays des idiots. On vient leur apprendre la philosophie biblique de Matthieu. Pesa l'itama, Boba, pesa yo. Oh, Nzambe Nangai Akobuni Langai. Vous entendez les gens qui vous disent oh, Nzambe Nazamu Umu Nayo. Comment? Do you understand what you're talking about? Nazali Muumbu Nayo. Donc, vous acceptez d'être des esclaves. Vous acceptez le calvaire volontaire. Mais alors, ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien de se lamenter. Vos griefs vont aller où? Quand vous passez votre temps à dire Nzambe, Yesu, Naza, Moumbu na yo, Yesu, Nazo ko benga yo. Il y a des chansons comme ça. D'une sorcière que je vois à Fanny Nasebo, Yesu, Nazo ko benga, Ozo ko benga nani. Nani Ozo ko benga, Ozo ko yo kayo. Parce que vous ne voulez pas sortir de chemin battu. Faites une ascension mentale, mon Dieu. Faites une ascension mentale et appelez ce Dieu des ancêtres. Qu'on le veuille ou pas. Jacob, Nzambe à Moïse, Nzambe à David, ils n'ont jamais existé, ces personnages-là, ils n'ont jamais existé. Nzambe wana zaliwape, qui doit donner la permission na bayuda babo makaba arabe, bien que barabe wazaba tumabe. Nzambe wana, aza nani, qui maintient l'injustice, baye kobote la mabele à bato, et il nous pompe des fausses informations au quotidien. Israël a saliboy. Israël a saliboy. Israël a self-defense. Parce qu'Israël a saliboy. Et vous gobez tout ça. Et je pense que vous avez prié pour l'État d'Israël. L'État d'Israël, il y a un bon cas où il y a un côté basa miibi. Ces gens que vous appelez Bananzambi. Tout cela parce que vous ne faites aucune ascension mentale. Il n'y a aucune analyse critique de ces écritures. Vous ne voulez pas départir des enseignements bibliques et des faux enseignements de vos faux pasteurs qui constituent une armée d'escrocs, d'arnaqueurs, de menteurs, de songeurs, de violeurs de femmes et de tout ce que je peux raconter. Alors, Monsieur le Président, un autre point. Presse Nayo. Rumeur de Kinshasa, etc.
même presse nationale. Mais surtout, remède de ça. Il ne cesse de citer les noms de Joseph Kabila, les noms de Moïse Katumbi. Cessez de nous amuser. Na loba ki na yoke, osa na pouvoir nyo se concentrer entre vos mains. Ces gens là-bas, ces deux plus les autres des PPRD, sont des criminels politiques et économiques et sociaux. Les faits sont établis. Donnez le boulot. Naba avocat, naba juge, naba homme de droit, bakanga batouana, au lieu de passer le temps à nous abasourdir, oh Joseph Assaliboye, oh Moïse Assaliboye, oh, vous avez peur de monsieur le président et votre presse, vous avez peur de ces gens-là. Là, des vieillots, vous avez peur de ces gens-là, raison pour laquelle vous continuez. Image à Bango, c'est la hantise. Bon, là, à côté, na yon a Bango. Et pourtant, les lois ont le pouvoir, nyoso. Mais arrêtez-nous, ces gens. Vous attendez quoi? Les faits sont établis. C'est rien sur le bureau. Moïse Nyarugabo, Bango, nyoso, ont tué les gens chez nous. Denis Essanga, ils ont tué les gens chez nous, à l'Est. Moi, je suis de l'Est. Ils ont tué des gens chez nous. Ce sont des criminels. Ces gens qu'on a tués, ce sont tes frères, ce sont... Excusez-moi, frères Nabino ma Congolais. Si réellement, vous avez un souci dans les Congolais à l'Est, mais arrêtez ces gens, pourquoi ils constituent un cabinet robot derrière, dans l'ombre, et vous nous muratez que Binon de Mazouk, vous avez géré, alors que ce sont eux qui géraient. Et ils sont toujours là, démantelés et chassés la communauté, tout chez nous. Congolais, descendez de la rue, attaquez-les dans leur propre maison. On en a marre. Qu'est-ce que vous attendez, monsieur le président? Tous ceux-là qui ont détourné l'argent, les Mouzito, ben, il n'est pas tout tiers. Le squelettique et le midi fossile vivant, n'est-il? Ma tête en pogne. C'est un Rwandais de père et de mère, Toye Billet, qui l'a construit l'université, ma tête en pogne. C'est un Rwandais. Na Shadari Bango tout azaba Rwandais, nous connaissons ça. Vous attendez quoi pour arrêter ces gens-là? Mais ils ne peuvent pas nier ce que nous disons. Ils doivent démentir s'ils ne sont pas des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Vous attendez quoi? Thank you for the word. Monsieur le Président, eh bien, si ma voix vous a chatouillé, je ne veux pas m'excuser parce que tout ce que nous faisons, c'est pour le pays. Je faillis transpirer parce qu'il fait chaud ici aujourd'hui. Je vous dis ce que je vous dis parce que vous avez un gros boulot. C'est pas facile, hein? Il n'y a pas de grand boulot que gérer la ressource humaine. Enfin, la ressource humaine. Et le pays tout entier, c'est une ressource humaine. Vous aurez des cargos de déléances, de griefs, d'accusations, de calomnies. Vous êtes élu président pour résoudre les problèmes. Et il ne faut pas s'en dérober. La sécurité étant la priorité. Ceci, c'est pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Pierre Mulele, de Kimbangu, de Kimpavita, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit. Thank you.
société belé boyo kanesate tokoma na ba foyer nene moko papa na maman dialogue sate eko malobi mwana bimi fase akiminda ku mwana komi na balabala mwana bonla na wenze ponini dialogue sate na ba foyer komuni lelo mindele basangana ki basali ero mbongo komi makasi pona dialogue dialogue de sali dollar lelo e sala makasi. Dialogue de salut les livres sterling et à la matasse. Il y a un moment où dialogue est nécessaire, la vie n'a pas. Dans tout ça, dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tout ça, bon, il y a un Congo dialogue, sérieux, tchiki.